Hello à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de revenir pour cette vidéo parce que, comme vous avez vu dans le titre, c'est un swap. Alors, les swaps, c'est tout un truc. Moi, j'adore regarder ça sur YouTube. Voilà, je suis toujours curieuse de savoir ce que l'autre a acheté à l'autre. Donc là, je suis trop contente de faire ce swap avec Adrianne Trends. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une jolie Marseillaise qui est toute pétillante de joie, de bonne humeur, que j'adore regarder. Elle a une chaîne YouTube, bien sûr, et un blog mode aussi. Et donc, je vous invite à aller voir le swap qu'on a fait toutes les deux. Donc moi, je lui ai envoyé aussi un beau colis bien chargé. Et je vous laisse donc le lien de sa vidéo en barre d'infos, où je vous la mets là ou là. Et puis, on va commencer tout de suite. On a eu du mal à s'envoyer les colis. Je vous avouerai que ça fait genre une éternité qu'on a fini notre swap, je pense. Mais on s'était toujours pas envoyé le truc, c'était avant l'été. Donc il y a certainement des produits qui vont peut-être plus trop concorder avec la saison. Je ne sais pas. On va voir en tout cas, moi, en ce qui me concerne, il y a des choses que je lui ai achetées qui étaient peut-être un peu plus pour l'été. Mais bon, c'est pas grave. On y va, c'est parti. Donc je vous montre sa box. Je l'ai remise en bien parce qu'elle était, il y avait plein de choses, donc j'ai bien remis tout à l'intérieur, donc c'est super joli, c'est violet, et moi j'aime bien toutes les couleurs violet, rose et tout. Alors on a une petite sucette. Merci Adrianne, merci. Bon alors, chrononutrition pour l'instant, je vous dirai quand je la mangerai, la sucette. Et puis des petites cartes. Alors, donc ça ça a l'air d'être le menu. Alors, hello beauté, je suis heureuse d'enfin te transmettre ce swap qui commence à dater, effectivement. J'espère que tu aimeras tout, je suis très heureuse de faire mon premier swap avec toi. J'aime ce que tu dégages et j'aime ta passion, ne change pas. PS, je suis nulle en papier cadeau et j'écris mal. Mais non, t'écris pas mal. Sorry, je suis gauchère. Oh, excuse. Non, t'écris pas mal du tout. Merci ma petite Adrianne, je t'adore moi aussi. Je t'adore. C'est trop joli. Ça, c'est trop toi. Quand tu vas voir mon swap, écoute, ce flamant rose, c'est trop toi. Petit clin d'œil flamant rose. Tu me comprendras quand tu auras ouvert ton swap. Alors, un menu. Alors moi aussi, hein, c'est la première fois que je fais un swap sur ma chaîne. Voilà. Et Adrianne, c'était, je pense, la meilleure pour commencer ce genre de vidéo sur ma chaîne. Alors, petit 1, parce qu'on aime lire ce qui nous passionne. C'est quoi? Alors, effectivement, on avait fait un... On s'est donné un budget. Alors, moi, je vais vous le dire, le budget, parce que les filles, elles disent jamais les budgets. Et donc, on s'est donné un budget de 250 euros. Voilà, parce qu'un swap, bon, il faut quand même un minimum d'argent pour pouvoir s'acheter des choses intéressantes et qu'on puisse bien partager tout ça avec vous. Donc c'est 250 euros le budget. Et donc on s'est fait une petite wishlist et en même temps on s'était posé les questions de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Enfin bon, voilà. Donc le 1, ça va être ça parce que je crois que ça c'est un livre. C'est marqué 1, c'est celui-là. Comment c'est trop bien, comment j'adore. J'adore ça. Oh là là. Oh, oh trop bien. Face paint. Lisa Eldridge. Oh là là, trop bien. Oh, génial. Alors, Lisa Eldridge, pour celles qui ne connaissent pas, elle a une chaîne YouTube, c'est une maquilleuse qui maquille trop trop bien. J'adore ses vidéos. Et elle a sorti son livre il y a, je sais pas, peut-être un an maintenant. Et oh, elle est trop bien. J'adore. Alors attendez, je vais vous montrer quand même sa tête. Est-ce qu'on voit sa tête? Elle n'a pas mis sa tête dans le livre. C'est quoi cette histoire? Lisa, où es-tu? Bon bah écoutez, j'essaierai de vous montrer un peu plus tard. Mais oh merci Adrianne, j'adore. Les livres de maquillage, ça me passionne. Je les collectionne en fait, j'adore ça. Ensuite, je sens que ça va durer une éternité, je suis désolée. Je te l'ai composé moi-même. Alors, le 2. Non plus.
Ça, c'est le 3. Qu'est-ce que c'est? Le... voilà, le numéro, il ne sait pas. Où est-ce que c'est? Ah, le 2, c'est ça. Bon, des petits aimants. Ça, c'est quoi? C'est une palette. Je vais composer moi-même. Et c'est Noël, quoi. Noël avant l'heure, mais c'est trop bien. Ah, une Z palette. Yeah. C'est des fards à paupières. Des fards à paupières dans une Z palette. Donc, c'est des petites palettes aimantées. Vous pouvez mettre tous les fards à paupières que vous souhaitez dedans. Et c'est quoi la marque? C'est quoi? Makeup Geek. Ah, trop bien. Ils sont super beaux. J'adore. Oh, en plus, j'ai ceux-là, là, cette collection-là de Makeup Geek. C'est les... Allez, voilà, les foiled. Oh là là. Ils sont tellement beaux. J'en avais pas. Oh, est-ce que vous voyez? C'est le violet. Oh là là. Oh, la pigmentation. C'est trop trop beau les couleurs. En plus c'est trop m'éteinte quoi. J'adore. Oh là là. Voilà. Merci Adriane. Trop bien. Bon, les fards à paupières, on n'en a jamais assez. Hein. Alors je vais pas vous entendre dire t'as déjà trop de fards à paupières. Non. Ensuite, alors, un cadeau peut en cacher d'autres. 3. Ah oui, 3, j'avais tout à l'heure, c'est ça. Une trousse. Ils sont beaux tes paquets, Adriane. On dit que je suis pourrie en paquet, mais non, c'est joli. Oh, c'est trop joli, la petite trousse. Elle est trop mignonne. J'adore. Oh, j'adore. Il y en a plein d'autres dedans. Eh ben dis donc, tu t'es pris la tête, hein. Genre, t'as mis les paquets partout après. Ah, mais il y a des numéros. Ah mince, alors attends. 6. Un cadeau peut en cacher un autre. Ok, d'accord. Et après, il y a le 7 dedans. Le 6 dedans. Le 5. Il doit y avoir le 4. Et le 4. Alors, on va commencer par le 4. Elle est trop mignonne, la trousse. J'adore. Alors, le 4, c'est... Ah oui, non, en fait... Qu'est-ce que je lis? Attendez. Ah, il n'y a pas de 4. Elle n'a pas marqué 4, en fait. Elle a marqué 3, 6... Ah non, c'est un 4. Excuse-moi, Adriane. Effectivement, le 4 ressemble à un 6. Avec ta main gauche. Je suis désolée. Ok, donc la folie des rouges à lèvres liquides, c'est le 4. Yeah. Rouge à lèvres liquide. C'est clair que c'est la folie. Ah, oh, c'est quoi? Ah, trop bien, j'en ai même pas des Milani. Génial. Oh, il a l'air trop beau. Donc la marque Milani, c'est une marque américaine qui est un peu plus alors pour les lèvres, bien sûr, c'est pour tout le monde, hein. Mais c'est une marque qui mettait vraiment l'accent aussi pour les peaux noires et métissées. Donc, trop beau. Oh là là, ça fait vamp. J'adore. C'est trop joli comme couleur. Je vous mettrai les références des produits en barre d'infos si vous le souhaitez. Il s'appelle Amor Mate. Il est trop beau. Très joli. Merci. Ensuite, alors ça c'était le 4. Le 5, c'est celui-là. Et le 5, la folie des rouges à lèvres liquides. De retour. Ok, d'accord. Trop drôle. La folie des rouges à lèvres liquides. Le retour. Alors. Oh, génial. Lime Crime. Oh, j'en avais pas non plus. Oh, ils sont trop beaux leur packaging. Lime Crime. Je crois que j'ai... Non, j'ai rien de... Ah si, je suis bête. Si, j'ai des produits de Lime Crime, j'ai les rouges à lèvres en fait. Mais j'ai jamais commandé les rouges à lèvres mat liquides. Oh, trop beau. Il est super beau leur packaging. Oh, oh là là, c'est quoi ce violet de dingue? Oh, j'adore. Oh, il est trop trop beau celui-là. Il est magnifique. Oh, il est sublime.
Merci Adrien, trop trop beau. Je regarde mon écran, pardon. Merci Adrien. Il est trop beau. Oh là là, c'est trop excitant les swaps. C'est trop bien. Ensuite, 6. Pour varier selon ton humeur. Alors attendez, je jette mes papiers. C'est quoi ? C'est celui-là, le 6. Non, ça c'est le 7. C'était celui-ci. Voilà, c'est celui-là. Qu'est-ce que c'est ? T'as bien fait ça, hein, t'as fait des bonbons et tout ça. Hein. Moi, je me suis moins pris la tête au final. Ah, oh, encore un deuxième. Oh là là, il a l'air trop beau. Oh, mais tu m'as gâtée de ouf. Oh là là, je suis comme une dingue. C'est une couleur que j'ai pas du tout en plus. Hein. Mais même celle d'avant, je l'ai pas celle-là. Et ce... Oh là là, elle est trop bien cette couleur. C'est trop original, j'adore. Regardez. C'est un genre de marron beige. Oh là là, j'adore. Buffy il s'appelle. Il est trop joli. Et l'autre, il s'appelait Fétiche. Oh, ils sont super beaux. Hein, j'adore. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. C'est trop joli. Ensuite, le numéro 7. Pour un regard de braise. C'est celui-là, je crois, ouais. On a dit qu'elle avait fait des paquets disco. C'est vrai que c'est disco. Alors. Oh, Houda, quand tu me prends par les sentiments. Trop bien. Oh là là. C'est les Samantha. Je les ai pas ceux-là. Qu'est-ce que j'ai moi? Je me rappelle plus lesquels j'ai. Oh, trop bien, Ouda Ouda. Merci. Parce que ceux que j'ai commandés, en fait, je les ai trouvés. C'est ceux que j'ai mis dans mon make-up Halloween. Et en fait, ils sont vraiment très 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 longs. C'est pas des fossiles qu'on peut mettre comme ça. Je trouve que c'est mieux pour des maquillages. Enfin, ouais, maquillage artistique. Plus que un maquillage de tous les jours ou un maquillage de soirée. Mais ceux-là, ils ont l'air très très bien. C'est trop beau. Oh là là, Ouda Beauty. J'adore, merci beaucoup. Je suis trop contente. Après. Belle jusqu'au pied. Belle jusqu'au pied. Alors, 8. Belle jusqu'au petit peton. Ah mais oui, vous avez pas vu. Oh, c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Regardez ce qu'il y a dans le fond de la boîte. Elle m'a mis plein d'autres sucettes. Oh là là, Adrien, mais ça se passe comment en fait? Comment ça se passe hein? Je partage toute seule, c'est ça? Je partage avec moi-même. Oh là là, je vais trop grossir, merci. J'aime trop les bonbons. Donc, j'ai dit que c'était quoi? Belle jusqu'au pied, numéro 8. Il y a un numéro 8 par là. Alors, c'est ça. Là, j'en dis moi des chaussures. Misguided. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être? Ils ont tellement des belles chaussures chez eux. Ah. Je les voulais trop. Oh là là, je les adore. Oh, elles sont trop belles. Regardez. Bon, alors, attendez, c'est moche avec le truc en plastique. Oh, j'adore. Oh. Elles sont magnifiques. Donc voilà. Un petit lacet, genre. Je sais pas ce que ça a mis. Je pense que c'est quand même une inspiration d'une marque, mais je saurais pas vous dire laquelle, d'un créateur. Elles sont trop belles. Oh, oh là là, trop 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 joli. En fait, c'est tressé et vous avez du tissu et en même temps de la chaîne. Et une yacht comme ça, c'est trop 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 joli. Magnifique. Merci Adrienne, je les adore, elles sont trop belles. Oh là là, magnifique. Ah, j'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau. Alors après, pour écrire ton prochain livre.
Oui, alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti un livre au mois de mars l'année dernière. Donc c'est un livre de maquillage. Donc c'est des tutos maquillage en photo. Alors qu'est-ce que tu as trouvé pour ressortir un prochain livre? Je sais pas si je vais ressortir un prochain livre. Qu'est-ce que c'est? C'est neuf. C'est ça. Alors ça, ça m'étonne même pas de toi. C'est un crayon, un stylo. Ah non, un crayon de bois. Alors, crayon de bois, oui, je suis désolée, je dis crayon de bois. Et alors, je suis nantaise. Alors, les Nantais, j'espère que je suis pas toute seule à dire crayon de bois. C'est un crayon à papier, en fait. C'est comme ça que disent les Parisiens. Et je pense dans certaines autres villes. Trop joli. C'est une gomme au bout. C'est une lèvre. Elle est trop belle. Merci, grâce à toi je serai inspirée. Trop bien, il est trop beau, j'adore. Trop bien, en plus je suis en train de refaire mon petit coin bureau, donc il aura bien sa place là-bas. André, une vraie gamine, je suis trop contente. À l'époque, la marque n'était pas en France. Mais ouais, parce que c'est ce qu'on se disait, on s'est dit ouais, oh là là, il y a plein de choses qui sont sorties depuis et tout. Qu'avant c'était genre inédit et puis là c'est sorti, mais bon. Alors qu'est-ce que ça va être? C'est numéro 10. Alors numéro 10. Ça c'est 12. 15. 10. Qui donc? Non mais là je suis comme une dingue parce que tu sais quoi. Hey, est-ce que là c'est ouvert? Non, c'est pas ouvert. Mais je peux te jurer que tout à l'heure, j'ai ouvert Sephora.com et j'ai mis dans mon panier la palette pour la commander avec Chipito. Et heureusement j'ai pas validé. Oh là là, trop bien, moderne. Oh là là, j'adore. Non mais de toutes les manières, même si c'est sorti, le truc il est impossible de trouver en France. Hein, donc. Oh là là, elle est en velours. Elle est trop belle. Ah, je savais pas qu'elle était en velours comme ça. Oh, merci. Oh, elle est trop belle. Oh là, j'avoue, les trop. Merci, 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 merci. Et encore merci. Oh, j'adore. Elle ressemble pas mal à la Ouda, mais je la voulais quand même. Elle est trop belle. Oh, je suis trop contente. Merci, Adrielle. Elle est trop jolie. Et le packaging est trop beau. Je savais pas qu'elle était en velours. Vous savez, ça fait un peu comme la Naked 1, la marron, là. La première Naked, elle était comme ça, un peu en velours. J'adore. Très, très, très bien. Oh, merci. Merci. Hein. Oh là là. Alors, ensuite, la carte. Ensuite, chaque reine du disco doit briller. Parce que moi, je suis une reine du disco. Qu'est-ce que c'est, numéro 11? C'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du maquillage encore. Alors moi, de toute façon, je peux mourir avec mon maquillage, y'a pas de soucis. Qu'est-ce que c'est? Ah, je crois savoir ce que c'est. Les aventures de Zoéva, ça. Oui. J'ai raison. Trop bien. Je les ai pas. Je les ai jamais vus, jamais. Bah, de toute façon, on les trouve que sur internet, mais. Génial. C'est très joli. Zoéva, ils ont des très jolies palettes. Alors, highlighter et bronzer. Oh, c'est cool. Alors, on a un bronzer. Enfin, plus pour faire le contouring, peut-être. Ça, c'est un bronzer qui est irisé. Et ça, c'est l'highlighter. Alors, il a des reflets dorés. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. J'espère que je suis nette parce que j'ai fait ma mise au point toute seule, hein, mon manuel. Ouais, il a l'air pas mal du tout. Hein.
Le bronzer là irisé. Ah, oh, c'est pas vraiment un bronzer, c'est un highlighter aussi. Oh, il est joli, hein. Il est pêche un peu. Trop beau à mélanger avec un blush, ça peut être très joli. Waouh, merci. Puis comme ça, rose gold, là, la petite palette, c'est trop beau. J'en peux plus. Merci. Je veux dire merci toutes les minutes. Oh là là, trop joli. J'adore. Ensuite, 12. Et de bien soigner. Ah oui, chaque reine du disco doit briller. Et le 12 est bien. Et bien soigner ses cheveux. C'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça? J'ai compris comme ça. 12. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? L'Oréal, ça? Non. Ah, Revlon, trop bien. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, Revlon, ils font des produits pour les cheveux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hair Treatment All in One. Alors, soin capillaire, vaporisateur sur cheveux humides. Ne pas rincer. Alors, attendez, je vais essayer de chercher ici en français parce que c'est écrit en anglais. Je suis une grosse pourrie en anglais. Français, s'il vous plaît. Est-ce que c'est marqué en français? Ça peut bien quelque part quand même. Non, italien. Anglais. Ah, ils n'ont pas écrit en français en fait. Alors, je ne sais pas trop quoi. Alors, Repair for Dry. Donc ça c'est un réparateur pour les cheveux secs. Pour contrôler les frisottis. Pour la brillance, en fait, ça va, je comprends l'anglais. Heat protection. Heat. C'est quoi heat? Avec un H. Hot heat. Je sais pas ce que c'est heat, je m'en rappelle plus. je suis sûre que devant votre écran, vous êtes en train de dire, si, c'est en train de me dire le mot, mais je vous entends pas en fait. hair color protection. Donc, c'est pour protéger la coloration aussi. Trop bien. Alors, est-ce que ça sent bon? J'adore, moi, les... Oh là là. Oh là là, ça sent trop bon. Oh là là, vous savez comment, moi, je suis dingue des produits pour les cheveux. Il faut que ça sente... Mais c'est quoi, ce parfum? Oh là là, ça sent trop bon. Oh, je vais me shooter au truc. Oh là là, ça sent trop, trop bon. J'adore. Oh, c'est super frais. Oh, ça sent super bon. Alors là, pour le coup, je crois que c'est la meilleure senteur de produit pour les cheveux, je sens. C'est pas français peut-être, mais c'est pas grave. Ça sent divinement bon. J'adore. Bon, bah, je vais tester, hein. Je vais tester, merci beaucoup. Et là, le parfum, franchement, j'en reviens pas, ça sent trop trop bon. Je connais pas les produits pour cheveux Revlon, j'ai jamais essayé. Donc c'est cool, je vais découvrir ça. 13. Accessoires d'automne. Alors, j'arrive à toutes mes sucettes là, j'ai pas toutes mes sucettes dans le fond. 13, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Vous croyez que c'est quoi? Ça se voit un petit peu. Suspense ou pas suspense? Oh, génial. Bon, alors moi j'adore les chapeaux. Oh là là, il est super beau. Oh, trop trop beau. Merci, j'adore. En plus j'en ai pas de... Bon là, il a un peu fait la guerre le pot, mais il va prendre vite. J'ai un truc spécial pour qu'ils reprennent leur forme. Il est super joli beige comme ça, j'en ai pas. Est-ce que ma tête rentre? M, ouais ça va. Oh, j'adore, il est trop beau. Alors, je me vois pas vraiment dans le retour parce que j'ai pas mes lentilles. Donc je me vois toute floue. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon chapeau. Il est super joli. Et ça ira avec mes chaussures en plus. Ouais, je vais être toute nude pour l'hiver. Trop beau. Oh, merci, j'adore. J'adore, j'adore. Super.
super joli. Alors, 13, donc c'était ça, 14, tu seras stylé. Alors, c'est le 14, ça. Qu'est-ce que c'est? Ouh, et je suis le nude total. Oh, c'est une veste misguided. Oh là là, elle est trop belle. Je l'avais vue celle-là, vous la voyez pas bien là, mais... Oh, j'adore. Elle est magnifique. Elle est trop trop belle. Elle est très jolie. C'est très jolie, j'adore. J'ai pas de veste nude comme ça. Trop belle. Elle est un peu longue en plus. Elle va sous les fesses, je pense. Elle est très très jolie. Merci beaucoup. Et le petit dernier pour la route. T'as pas soif maintenant? T'as pas soif maintenant? Bah si, j'ai soif. Quoique j'ai pas encore mangé toutes mes sucettes. C'est cool. Faut que je veux savoir ce que c'est. Ah non, je pensais pas que c'était ça. Regardez. Il y a une paille qui dépasse. Je crois que c'était une gourde au début. Trop bien. Ah, elle est trop belle. Je n'avais jamais vu des comme ça encore. C'est super joli. Elle est très très jolie. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Follow your dreams. Ouais. Je les follow. Ouais, trop bien. C'est super sympa. Ça, c'est ça. Elle est belle. Elle est très belle, cette bouteille. Merci beaucoup. Même pour la déco, c'est sympa aussi. Oh, bah merci, mais vraiment merci, merci du fond du cœur, Adrienne, parce que c'est mon premier swap et je suis trop contente déjà d'avoir fait avec toi. Mais là, en regardant tout ce que tu m'as offert, franchement, je te remercie pour tout. C'est tout ce que j'adore. C'est tout ce que j'adore. C'est l'huile de maquillage, rouge à lèvres mat, palette de fard à paupières, highlighter, chapeau, chaussures, veste, c'est tout ce que j'adore. Donc merci vraiment pour tout. T'es adorable de toutes les manières, swap ou pas swap, je t'aime beaucoup. Et puis bah écoute, j'espère que le mien il te plaira. Pour toutes celles qui veulent voir ce que je lui ai trouvé, bah, le lien sera en barre d'infos. Merci encore, je t'embrasse très très fort. Et puis bah, vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse aussi, très très fort bien sûr, comme d'habitude. Je vous aime du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Oh, bisous, à très vite.